Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation sur Blood Bowl 2. Donc je vais vous présenter la division dans laquelle je suis rattaché pour la compétition de la Super Krug Stanley Cup, donc saison 3. Je suis en division 4 donc avec les autres équipes, donc je vais vous faire un peu la présentation des adversaires que je vais rencontrer au cours de cette saison. Donc, on reste toujours sur un système de 9 matchs. Donc mon équipe Les Élus des Dieux, équipe du Chaos, a mis 500 de TV. Donc habitué, j'ai pas eu de changement depuis la dernière fois. J'ai eu 4 hommes bêtes, 4 guerriers du Chaos et 8 hommes bêtes. Donc c'est déjà remplaçant. Et voilà, on va vous présenter un petit peu. Alors la première équipe de cette compétition que je vais vous présenter, donc les Vertigineux de Tactamo, donc une équipe d'orques. Un roster assez solide de ce que j'ai vu. 4 orques noirs, 4 blitzers, un lanceur, un gobelin, un trop. Pas de remplaçant par contre, donc il faudra faire attention. Parce que la moindre blessure, c'est l'infériorité numérique. Si l'apothicaire fait pas le job, hein, mais bon après, les apothicaires, c'est là pour vous sauver quand même. Donc il a un gobelin mouvement 7, des choses comme ça. Un troll avec costaud et garde. Donc certainement pour apporter le support et faire du lancer de gobo. Un orque noir avec bloc et bon. Wow. Ça peut être costaud ça. Enfin bref. Donc là, voilà un exemple. Il y a moi donc. Les voies du rat par Aldrien. Donc Aldrien, je l'ai déjà rencontré en Mad Cup 5 dans mes souvenirs. C'était qu'avec une équipe de nécromantique avec mes orques. Alors il y a une équipe de Skaven. Donc deux vermines de choc. 4 coureurs de dégoût. Bien équipés. Donc du bloc, de la lutte, du glacissade contrôlé ou de la dextérité pour un. Après, c'est du Skaven du 3 quarts, donc un botteur. Il a deux blessures apparemment. Donc, blessure, donc ça doit être quoi? Dos abîmé, donc ça veut dire que plus un tout léger de blessure. Donc, bah, après, en même temps, quand on a 7 d'armure ou 8 maximum, voilà, faut s'y attendre. Fimigno, c'est des nains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, une équipe de nains, donc à mon avis costaud. 13 joueurs, 2 tueurs de trolls, 2 blitzers, 2 coureurs et 7 longues barres, donc ça fait 2, 4, 6, 7. Quelques esquives sur les nains, donc il faudra faire attention à ça, 3. Oshin qu'on a rencontré en KDS qui nous a éliminé au premier tour. Qu'est-ce qu'on a eu depuis la dernière fois? 1, 2, 3, on a 5 vampires, 3 bludgers, plus 1 en mouvement sur l'un, un sauteur. Wow. C'est costaud. Et au niveau des blessures, donc il a eu deux serviteurs en moins lors du dernier match de KDF apparemment. Son arracheur de balles et son botteur. Et il a un thrall avec bloc. Ok. Alors, une nouvelle équipe d'humains. Enfin, une équipe d'humains, pardon. Donc ça doit être une équipe assez inexpérimentée ou expérimentée, je sais pas. Alors, il a un ogre. Deux receveurs. Donc un receveur plutôt bien monté niveau 4. Blog, glissade contrôlée, para. Donc pour le suivre, va falloir s'accrocher. Un lanceur avec précision. Un blodger, donc un blitzer blodger, donc bloc esquive. Par contre, le reste, il n'y a pas de compétence. Et il a un blessé. Ok. Les bas du fond de Xam. Donc Xam, je l'avais rencontré la saison passée en Super Krug Division 5A. Où je l'avais battu dans mes souvenirs. Donc il a dû faire son match je crois de ce que j'avais vu. Donc il a un troll à Malpierre, avec griffe châtaine, donc je vous laisse imaginer les dégâts. Il a deux blitzers, dont un qui a force 4 et châtaigne, l'autre châtaigne griffe, plutôt costaud. Deux lanceurs avec un bras supplémentaire, mais une pénalité à l'armure de 1. Donc il a 6 d'armure, celui-là, attention. Et le reste, pas trop de compétences. Je pense qu'il a dû prendre pas mal de dégâts dans les derniers matchs. De la saison de SKB plus en KDF. Il a un gobelin blodger, attention à ça. Les hermines souillées de Mac Position, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un ogre, on a un lanceur, un receveur qui a manqué le match, donc il a quoi? Bloc, glissade contrôlée, wow. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour celui qui va l'affronter. Un autre receveur qui a moins un mouvement, ça c'est dommage. Un blitzer qui a une blessure, donc. Je crois que lui c'est un en mouvement et l'autre c'est quoi? Je crois que c'est un tout léger de blessure avec 4 d'agilité. Ouch. Donc attention à lui.
Un blitzer tacle châtaigne, tacle agilité, ok. Un autre blitzer sans compétence, un blitzer manquant le match sans compétence. Après on a des hommes de ligne, enfin des trois quarts, donc dont un avec bloc. Un deuxième lanceur avec dextérité chef, donc une relance supplémentaire, ça lui en fait 4. Par contre un ogre avec 6 de force, wow, c'est costaud. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les Buffalo Soldiers de Saltis, je crois que ce sont des elfes sylvains, ouais. Alors c'est une équipe toute neuve apparemment de ce que je vois. Pas de relance, pas d'apothicaire. 700 de TV, wow, elle a bien dérouillé au dernier match apparemment. Donc il a un homme arbre. Un danseur de guerre. Donc il devait en avoir deux, je crois qu'il en a perdu un. Il a un lanceur en moins pour le prochain match. Un receveur en moins encore. Un de force, wow. Oh les blessures, ça l'a pas loupé. Il reste c'est que de l'homme de ligne sans bloc, à part lui. Donc là, ça va être compliqué pour lui, j'ai l'impression. Après, on ne va, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr. Et enfin, on a une autre, une IA. Donc ça va être des Amazones à vue de nez, ouais, c'est ça. Donc 3 relances, un apothicaire, ouais. Oh, une 3 quarts avec 4 de force, costaud là. On a deux Bludgeos, une garde, deux gardes avec l'autre blitzeuse. On a une attrape, une receveuse avec bloc et blocage de passe. Ouais, là, ça va être une équipe assez difficile à manier sans tacle, hein. Quelques blocs par-ci par-là et c'est fini. Donc voilà. Alors, voici la D4. Et le prochain adversaire que je vais affronter, c'est ma position. Donc, je dois l'affronter cette semaine. Donc, j'avais prévu soit mercredi soir, soit jeudi soir, je sais plus. Je pense que je ferai plutôt ça jeudi soir. Donc, faudra faire attention à cette équipe. Donc, même si elle paraît un petit peu affaiblie sur le papier, mais ça veut rien dire. C'est NFL et les GD qui vont faire le job. Donc, voilà, il faut pas oublier que Mac Position est le dernier finaliste malheureux, si je puis dire, de la Coupe de France 2, donc qui a été gagné par Nihilac, donc une équipe de Nurgle. Donc voilà, ça va être une saison assez compliquée pour moi, je pense, parce que vu les équipes qu'il y a en face, il y a quand même du costaud et que du fait que j'ai une plus grosse TV avec les autres, ça risque de donner des inducements à l'adversaire qui pourront utiliser contre moi pour acheter des sorciers, des coups vicieux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein de Total Coliseum. Et on se retrouve très vite pour notre prochain match. Au revoir les amis, à la prochaine.